Washington, but I'm a devil, 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 I'
rue pour revendiquer le retrait du projet Macron, le retrait du projet Delvoye. Aujourd'hui, tous en grève. Demain, nous continuerons dans ce projet. Du travail en 2022 à l'âge de 18 ans.
application du régime universel par points. Ceux qui sont nés entre 75 et 2003 auraient un système mixte, une usine à gaz, avec encore plus d'incertitude sur le montant final de leur pension et le risque d'erreur de calcul pouvant en être induit. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord avec ça? Vous n'entendez pas? Êtes-vous d'accord avec ça? Alors pour rappel, la CGT, nous on revendique, on refuse le régime universel par points et on veut l'amélioration du régime par répartition et par annuité solidaire. Êtes-vous d'accord avec nous? La CGT revendique aussi le départ à 60 ans, à taux plein, avec un taux de remplacement de 75% et aucune pension en dessous de 1800 euros brut. Êtes-vous d'accord avec nous? Félicite encore de cette journée de mobilisation. Je constate qu'on est encore très nombreux dans les rues. On est là aujourd'hui devant la gare pour soutenir les cheminots qui sont en lutte, qui sont en résistance pour défendre leur droit à une retraite à pension. On est avec eux parce que, bien évidemment, nous aussi, on est tous concernés, que l'on soit fonctionnaire, que l'on soit salarié du privé. Avec cette retraite, on va tous y perdre. On va y perdre pour très longtemps, puisque, comme le disait le camarade précédemment, la valeur du point, elle sera fixée par l'État. En fonction de la conjoncture, en fonction de la démocratie, de la démographie, qui peut croire aujourd'hui que ça va se maintenir comme ça? Personne. Ils vont jouer sur l'âge de départ, ils vont jouer sur le montant des pensions. Fillon l'a déclaré, le seul intérêt d'une retraite par points, c'est de faire baisser le montant des pensions. Et derrière, il y a quoi? Il y a les groupes privés financiers, les black blocs, les fonds de pension, qui sont là pour attendre. Ils attendent en gavaude pour prendre l'argent de ceux qui pourront cotiser une retraite complémentaire des fonds privés et les autres, ça sera la misère sociale, la précarité. Alors nous ne l'acceptons pas.